Nous avons un terminal de Genoa qui arrive à échéance d'ici un mois, le 18 novembre. Ça veut dire que ce terminal aujourd'hui, qui a été exploité, opéré par un consortium avec à sa tête Total EEP Congo, tous les coûts, tout ce qui a été fait est censé avoir été récupéré. Et donc, à partir du 18 novembre prochain, ce terminal appartiendra à 100% à la République du Congo. Donc, de façon souveraine, la République du Congo est en droit de s'interroger sur quel est le meilleur intérêt pour la République du Congo, mais quel est aussi l'intérêt de la République pour ne pas pénaliser l'ensemble des sociétés qui opèrent ce terminal, mais aussi qui produisent en République du Congo. Comment faire en sorte qu'il y ait un équilibre pour que ce terminal pétrolier de Genoa continue à produire et que l'intérêt de l'État soit garanti, voire même certainement amélioré par rapport à ce qui se faisait. Donc, il y a toute une équipe qui travaille depuis plusieurs mois à l'élaboration de textes, à la discussion avec l'ensemble des opérateurs pétroliers pour voir quel avenir, de façon souveraine, la République veut faire de ce terminal. À l'instar des autres pays, nous ne sommes pas en marge de ce qui se passe dans la sous-région ou au niveau international.